Allez, salut tout le monde, ici c'est Mixer Said. Alors aujourd'hui je vous fais la suite du let's play de Sleeping Dog. Donc là il s'agit de la vengeance de Madame Chu, la mission, que j'ai vraiment appréciée d'ailleurs. Donc je vous laisse la cinématique. Donc c'est une de mes missions préférées quand même, je l'aime bien cette mission-là. Elle est vraiment pas mal, elle est variée, il y a un peu de flingue, il y a un peu de gunfight, il y a de la baston et une poursuite. Donc je pense que vous l'avez déjà vue sur le net cette mission-là, mais je la refais parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc j'espère que je vais pas me planter dans la vidéo, pas faire de conneries, je vais essayer de jouer correctement. Surtout la conduite, c'est pas trop mon point fort, donc... Allez, c'est parti, donc je dois aller chercher le gars et le ramener à Madame Chu pour qu'elle le défonce. Allez, c'est parti, on y va. Donc je dois appeler Ricky. Voyez, pas mal comme restaurant, j'aime bien. Les graphiques, j'adore. Les graphiques, j'adore, ils sont excellents. J'adore ça. Bon, on va prendre sa voiture pour it. Ouais, allez hop. Donc là, je dois me rendre au point de mon portable, vous voyez, le point au centre du triangle, pour avoir une meilleure... comment dire, mais pour mieux capter le signal, en fait, du gars où qu'il est, en fait. Donc on va se rendre à... Faut s'approcher, donc... Bon, donc faut essayer de se planter. Donc là, je vais devoir tourner. Voilà. Et je vais y être, là, je pense. Donc dès que je suis à peu près prêt, bah, il va me dire de... Carrément, en appuyant sur une touche, bah voilà, comme là, localisé, j'en puis rentrer. Hop, mon portable se travaille, et tout d'un coup, je dois choisir la source. Donc c'est pas là, c'est celui-là. Je reste appuyé sur rentrer. Et là, je choisis le signal. Donc c'est pas celui-là, je dois aller chercher en fait, mais bon, c'est pas... Non. Bon, c'est pas si loin que ça, donc ça doit être quelque part là. Oh là là, je suis vraiment une merde. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc là, on y va, on y va, on y va. Allez, bouge ta caisse, toi. Alors là, ça devient intéressant parce qu'on va quand même en se rendre, puis là, il y a de l'action. Puis il y a des environnements qu'on peut utiliser pour niquer nos ennemis, bah comme toutes les missions, quoi. Moi, je m'en sers tout le temps, donc là, c'est pas mal. Alors, bouge-toi le taxi de merde, là. Donc c'est pour ça que j'essaye de me rattraper dans mes let's play, là, parce que Sleeping Dog, j'ai encore quelques let's play à vous faire. Je dois vous mettre encore la mission avec la boîte de nuit, quand il y a de la baston dans la boîte de nuit. Ça, c'est une de mes missions aussi préférées. Celle-là et puis la boîte de nuit, c'est mes deux préférées. Et puis une à la fin aussi, bah que je... Ah non, je vous ai pas encore mis à la fin. Il y a beaucoup, c'est vraiment la fin, c'est vraiment le bordel, quoi. Tu niques tout le monde avec les environnements. Donc là, on va niquer les gars. Bah bref, faut que je rattrape dans mon... Faut que j'aille plus vite dans mon let's play. Parce qu'après, c'est l'arrivée d'Hitman et tout, hein, vous le saviez. Donc vous avez pu déjà voir, apercevoir sur internet qu'il y a déjà des vidéos d'Hitman et tout. Bon, moi, c'est version Xbox en anglais piratée, donc... Bon, moi, je joue que sur PC, donc je vais attendre. Hein. Je vous dis que je peux l'avoir, bah, je vous ferai une vidéo. Donc je vous ferai le let's play, parce que ça va saquer. Hein. Je pense qu'il y a... Beaucoup de mes abonnés m'ont demandé pour le let's play, ça c'est clair et net, je le fais direct, il n'y a aucun souci. Toi tu vas... Ah tu vas aller à la portière toi. Alors, vous pouvez utiliser les portières, vous voyez, il y en a, ils savent même pas, c'est... Faut le faire quoi. Toi amène-toi, hop, un coup dans ta gueule, tiens. Hop, toi je te contre. Et je suis plus fort quand même, toi un coup dans ta gueule. Hop, et... Vous voyez, il y en a, ils prennent des armes. Vous voyez les armes que je prends, les armes un peu improvisées, on va dire. Vous pouvez les lancer, vous voyez, vous pouvez carrément taper avec les gens, mais vous pouvez aussi les exécuter en les saisissant. Genre le couteau, vous saisissez la personne et ça va le planter, par exemple. Ça, faut s'en servir, ces trucs-là, ça vous fait des points morts. Bon, toi, la femme, tu vas voler dans l'eau. Allez, hop, dégage! Ah, là, ça devient intéressant. Encore des bastons là, allez amenez-vous. Bon là il n'y a pas d'environnement mais j'aime bien cet endroit là. Puis j'aime bien regarder, c'est près d'un port, on voit le bateau, l'eau, c'est excellent quoi. Tiens.
Ah, ah si, il y a un environnement, je me rappelais plus ici. Oh là. Ah lui, il a un couteau, lui, il est méchant, lui. Oh, je sais pas si vous avez remarqué mon t-shirt, c'est le t-shirt de Left 4 Dead que j'ai mis, ouais, ça inclut, c'est un DLC qu'on a eu, qu'on a gratos quand on fait une mise à jour du jeu. Ok, Yon. On s'est pris ce que j'ai fait. Ah, dans l'eau. Et hop, toi tu me donnes ton couteau. Voilà. Donc en fait c'est le DLC, il est offert hein, quand vous avez acheté le jeu. Donc la mise à jour se fait automatiquement sur Steam et puis ça vous rajoute ça. Regardez, hop, je plante le gars, voyez. Je le saisis et hop, je le plante. Ça j'aime bien faire ça parce que lancer le couteau, bon c'est bien aussi, mais attaquer avec le couteau c'est pas très... Ouais. C'est comme dans Hitman, j'ai vu aussi dans Hitman qu'il y en a qui, quand ils ont une arme improvisée, genre une tasse, ils s'en servent même pas comme une arme, ils s'en servent pour... Attendez, un petit défoulé bullet time là. Toi tu crèves. Toi aussi. Ils s'en servent seulement pour distraire les gardes. Bon, on peut s'en servir comme arme. Hein. Vous voyez, dans Dreadman, il y a la blinde. Hein. Il y a plus de 80 armes improvisées. Donc je pense que moi, je vais tous les utiliser. Même des cailloux, on peut s'en servir pour comme arme. Oh, vous voyez, après ce que j'ai fait, il suffit de courir et faire la touche E de votre clavier. Allez, hop. Tiens. En fait, il faut faire une balle dans la tête pour que ça continue le ralenti. Regardez. Voilà, j'ai loupé. Je suis comme une merde. Bah toi tu vas me donner ton arme, hop, je le désarme, je récupère son arme, et voilà. Toi, tiens, coupé dans ta gueule, je vais essayer de récupérer son arme à lui, mais... Hop, regardez, on le désarme, en le saisissant, on le chope, bouclier et main, vous voyez, j'essaye de varier un peu moi, parce qu'il y en a, ils font toujours la même chose. Bon, lui, on va le finir à la porte. Tiens... On peut allumer la lumière de la mitraille, mais bon, on s'en fout. Voilà. Et il faut varier les gameplays. En même temps, ça c'est du bon jeu. Hein. L'éditeur c'est Square Enix, il n'y a rien de... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Activision... C'était Activision qui avait fait le jeu là, je sais pas pourquoi à ce temps-là ils avaient quitté le jeu, c'est vraiment des fous quoi. Un jeu ainsi, c'est excellent quoi. Ça change de tous les jeux qu'il y en a qui jouent, c'est Call of Duty et tout, là, ça devient souvent... Ça, ça a des buts, vous voyez, ça... Pareil, dans Hitman, on a un but, faut y aller en infiltration, on y va pas à la bourrin, quoi, c'est... ça change. Max Payne, déjà, ça m'a saoulé, Max Payne, d'ailleurs, le let's play, faudra que je continue, bon, je vais avoir un petit peu de retard aussi encore pour celui-là. Mais bon, ça sera plus tard, lui, parce que ça me saoule, en fait, Max Payne, à force. Bon, tu te lèves, toi. On va te désarmer. Ding. Bon, là, on va le finir comme ça, regardez. Tiens, et ping. Ça c'est bien des jeux comme ça, parce que dans GTA les combos sont vraiment trollés à chier, que dans celui-là c'est vraiment les combos qui ont été travaillés quoi. Donc là une petite course. Voilà, là ça devient une course hein, assez sympa là. Petite poursuite. C'est pas foncé, oula je vais me prendre le poteau. Allez, petit effet bullet time, regardez, les effets bullet time ça c'est excellent quoi. Je crois que Square Enix en ce moment il se rattrape avec jeu-là, Hitman qui va faire un succès aussi. Ils ont des bons jeux en ce moment, c'est bien ça, ça change parce que... Donc, je vous ferai aussi une vidéo d'Assassin's Creed 3 quand je l'aurai. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je préfère faire des vidéos là tout de suite de finir mes jeux là. Bah finir mes jeux, lui ça fait au moins 6 fois que je l'ai fini ce jeu là, même plus. Là c'est la 7ème fois là que j'ai en train de vous faire un let's play là. Je le recommence tout le temps ce jeu. Il va vite à finir mais il est pas mal. Oh là là, excellent. Oh là là, je vais foncer dans lui. Ouh. J'ai de la chance. Allez, hop, on va courir et wouhou. Oh là là, c'est excellent. Donc là, je dois rattraper la caisse et prendre le volant. Donc là, on va plonger. Ping. Et voilà, je l'ai eu. Et voilà, je vais l'emmener chez Madame Chu. Donc voilà, voilà. Donc je rattrape tous mes retards, il y aura encore des vidéos de ce jeu encore, je vais me dépêcher avant. Parce qu'après quand il y aura Hitman, je vais faire des vidéos que d'Hitman en fait. Bah je changerai aussi de temps en temps, je vais changer un peu, mais ce sera plus des vidéos d'Hitman que je vais faire quand même. Ouais. Quand tu vires. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère faire toutes les missions maintenant en vidéo, parce que j'ai pris du retard. Voilà, bon là en ce moment ça y est, j'ai en train de rattraper mon retard, je suis content de moi. Mes vidéos sont prêtes à être upload, c'est parfait.
Bon, voilà, je pense que ça va être fini. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez, mettez un j'aime en fait si vous préférez. Et puis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Et faites tourner la vidéo aussi. Allez, je vous laisse la cinématique. Bye bye. Johnny the Rat Pig. Meet Mrs. Chu. Winston's mother. Osama. I don't know what this guy told you. I don't know what you're talking about, you crazy old bitch. Please. Wait, don't leave me here. She's fucking crazy. Okay, okay. I'll tell you anything you want to know. Just please, don't.